campagne associative, événements, travaux, aménagements, inauguration, festivités, économie. Christine Misenkiewicz, de l'Amicale laïque d'Allemand. Et aujourd'hui, c'est une exposition qui permet de récolter des fonds avec la vente de pâtisseries et de tickets de tombola pour l'école, en fait, pour pouvoir faire des sorties, des activités avec l'école. Essentiellement du Lego, mais également des Playmobil et une partie jeux Knex et Lego pour les Duplo pour les enfants pour qu'ils puissent jouer. On fait un tirage au sort des tickets de tombola à 4h30 où on a à gagner des jeux de Lego et d'autres jouets qui nous ont été offerts par certains magasins de Bergerac et de Bordeaux. Il y a 9 exposants sur l'exposition et dont plusieurs qui sont venus en famille. Il y a une association qui s'appelle Fans de jouets. Donc c'est le couple, c'est Dominique et Laurent Righetti-Lavergne qui sont responsables de cette association et qui font plusieurs fois dans l'année des expositions sur Gravel ou essentiellement en Dordogne. Ils sont venus gracieusement et on les en remercie énormément parce que grâce à eux, on peut faire venir autant de monde sur une petite commune que la nôtre. C'est la deuxième année. Donc l'année dernière, on a fait ça pour voir ce que ça allait donner et on avait pris beaucoup de plaisir et apparemment les gens ont pris beaucoup de plaisir à venir. Donc on a réitéré cette année et apparemment ça a l'air de plaire beaucoup et on est très contents.